Eh bien bonjour à tous. Non, aujourd'hui c'est pas une vidéo sur l'iPad. Aujourd'hui c'est pour ça. Les World Trade Center. Car le 11 septembre, ça fait 2011, ça va faire 10 ans qu'elles ont été détruites par Oussama Ben Laden, par les deux avions. Et cet événement dont je vous parle n'est pas n'importe quoi. Parce que justement, je m'en souviens très bien. Il y a 10 ans, ou à l'époque où j'étais au collège-lycée, parce que c'était les deux à l'époque, je me souviens que ça s'est passé un mardi matin. Je me souviens que la nouvelle, je l'ai su quand j'étais rentré chez moi et que j'avais vu les infos. Et c'est là que la nouvelle est apparue. Ensuite, après, on en a parlé à l'école. Le lendemain, tout le mercredi, on en a parlé. Et ensuite, pendant 3 mois, voire plus, on ne parlait que de ça. On parlait que des World Trade Center. Bon, c'est vrai qu'à une époque, ça n'a pas été facile. Et chaque année, en septembre, on parlait des World Trade Center. En même temps, je les comprends, c'était dur pour eux, les Américains. Et à l'époque, la nouvelle, on ne pouvait pas la savoir, hein. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas MySpace, on n'avait pas Skyblog. On n'avait même pas encore Dailymotion et YouTube comme maintenant. Et la nouvelle, on l'a su. Et si vous vous souvenez bien, quelques ans après le drame, évidemment, c'était catastrophique, mais il y a eu autre chose qui a été fait. Souvenez-vous qu'avec Nicolas Cage, le film Les World Trade Center ont été faits. Voilà. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins le jour où Osama Ben Laden a été tué, là, tous les Américains étaient contents. Voilà. Fin de cette vidéo. C'était Yannick Fastweet pour YouTube et Sims16 pour Dailymotion. Merci.